Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, juste un mot, merci. Vraiment merci, 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 merci du fond du cœur. Merci pour toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent et qui me partagent aussi leurs propres sensations par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport aux vidéos que j'ai partagées dernièrement. Et vraiment merci parce que... Il y a quelques jours, hier, avant-hier, je ne sais plus, j'ai eu comme une petite pensée comme ça, d'inquiétude, qui me disait, d'un coup je me suis dit, mince, j'espère que je ne suis pas allée trop loin dans le partage de mes prises de conscience, etc. J'espère que je n'ai pas trop bousculé les esprits, les croyances de chacun. Et puis en même temps, je me suis dit, bon... Puis en même temps, je me suis dit, bah, finalement, les personnes pour qui ça vibre bien, se manifesteront, ou voilà, ou ça pourra leur apporter quelque chose. Et puis les personnes pour qui ça ne vibre pas, bon, bah, on pourra le mettre de côté. Et puis voilà, puis c'est ce que j'ai toujours, chacun prend ce qu'il a à prendre en fonction de ce qu'il est prêt à vivre, à accueillir ce moment, etc. Et tout est ok, chacun avance à son rythme et à ses prises de conscience, à son rythme, et vit dans sa propre réalité, etc. Bref, mais là, vraiment... Je ne sais pas l'élément déclencheur depuis la vidéo que j'ai postée hier par rapport au rayon sacré, mais j'ai eu de nombreux retours hyper positifs de personnes qui m'ont suivi dans cette grosse phase de transformation dernièrement, et qui ont regardé toutes mes vidéos, et qui me disent voilà, que ça leur parle aussi, que ça vient vibrer en eux, que oui, ça vient bouleverser, mais en même temps, ces personnes qui sentent que c'est ok pour elles aussi et qu'elles aussi elles vivent cette transformation, etc. Et je trouve ça juste génial de pouvoir partager ça aussi ensemble. Et puis c'est ce que je dis toujours, hein, quand je tiens à être transparente par rapport à ce que je vis, et je dis toujours régulièrement, moi aussi je suis un être humain, moi aussi j'ai des expériences, plus ou moins heureuses ou malheureuses, mais voilà, après l'idée c'est qu'est-ce que je fais de cette expérience, est-ce que j'ai envie d'en grandir, ou est-ce que je reste là où je suis, quoi. Enfin bon, voilà. Et puis, je sais plus où je voulais en venir, quoi. Je me le recentre, quoi. Si simplement le fait de vous partager toutes ces expériences, ça vous permet à vous aussi d'avoir certaines prises de conscience, ben c'est juste, mais rien que ça, c'est juste génial. Et si en plus, derrière, vous m'envoyez des messages de gratitude, etc., vous vous sentez rassuré ou moins seul dans ce que vous vivez, etc., ben, c'est juste un merveilleux cadeau. Et du coup, moi aussi, j'ai envie de vous faire un petit cadeau en retour. Eh bien, je vais juste vous envoyer un peu de cette énergie d'amour et de gratitude. Et l'amour et la gratitude sont les plus belles énergies, les énergies les plus merveilleuses à accueillir en soi. Et donc simplement, je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Voilà, vous déposez dans l'instant, prenez une profonde respiration. Vous prenez conscience de tous vos corps physiques et non physiques. Prenez conscience de votre corps physique, ici dans la matière, vous sentez vos poumons qui se gonflent à l'inspiration. Et à l'expiration, vous relâchez toutes les tensions. Puis un petit peu à la fois, vous faites cela en conscience de tous vos corps. J'inspire par mon corps physique et par tous mes corps subtils. Et vous ressentez votre énergie, votre aura en expansion. Et je pose l'intention de réintégrer tous mes corps. Je prends conscience de qui je suis vraiment, un être divin venu expérimenter, s'incarnant dans la matière, sur cette terre. Prenez conscience de votre divinité issue de cette source d'énergie pure d'amour, votre essence pure, originelle, qui est constituée de cet amour divin, de paix, de joie, de non-dualité, la fusion, la réunion des énergies opposées, au contraire, la réunion, la fusion du féminin et du masculin, et on comprend que les énergies sont complémentaires. Et je pose l'intention maintenant
de fusionner avec mes deux polarités, du yin et du yang, du féminin, du masculin, les énergies du ciel et de la terre. Sentez votre reliance à la terre par votre chakra racine, près du périnée ou dans vos pieds. Et ressentez votre connexion aux énergies du ciel par le chakra couronne au sommet de votre tête, ou par certains chakras ciel qui se trouvent bien au-dessus. Et pendant ces respirations, vous recentrez, vous vous alignez parfaitement dans votre verticalité. À chaque inspiration, c'est comme si vous fusionnez avec chaque partie de votre être, avec toutes vos informations, toutes vos programmations, quelles qu'elles soient, heureuses ou malheureuses, tout ce qui vous constitue, car vous êtes tout cela. Et la première chose, la première proposition, est d'accueillir tout cela. D'accueillir tout ce qui nous constitue. Et on m'invite à vous proposer une activation de la flamme violette, que vous puissiez ressentir la puissance de la flamme violette en vous. Prenez conscience que cette flamme violette est déjà présente en vous, comme chacun des rayons sacrés, qui sont eux-mêmes issus de cette source divine pure originelle, qui sont régis par certains maîtres ascensionnés et archanges, qui ont eux-mêmes fusionné avec cette flamme divine, et la flamme violette est la flamme de la transmutation, qui est capable de transmuter le négatif en positif, c'est-à-dire qu'il va transmuter de la peur en confiance. Un blocage va être débloqué, de la tristesse sera transmutée en joie, un manque d'amour sera rempli d'amour. Un karma négatif sera transmuté, dissous pour laisser place à des énergies, des informations positives, des libérations s'opèrent. Et nous allons mixer la puissance de la flamme violette à celle du cristal diamant, afin d'installer la purification. Et vous allez imaginer s'activer dans votre centre-cœur la puissance de la flamme violette cristalline. Imaginez, visualisez, ressentez cette flamme, cette lumière, ce rayon de couleur violette, parsemé de diamants, de cristaux. Et poser cette intention. Je demande maintenant à activer la puissance de la flamme violette cristalline en moi et autour de moi, dans mon corps physique et dans tous mes corps subtils. Cher maître ascensionné, cher archange, que votre rayonnement active mon propre rayonnement. Permettez-moi de ressentir la puissance de ce feu sacré en moi, ce feu de transmutation. Archange Zadkiel, Maître Saint-Germain. Que cette flamme violette vienne transmuter toutes les croyances limitantes présentes en moi qui ralentissent mon ascension. Activation en cours. Ressentez cette flamme violette qui vient agir là où vous en avez besoin, qui vient agir au niveau des croyances limitantes, qui crée des peurs. Que la puissance de la flamme violette vienne transmuter toutes les peurs présentes dans tous mes corps, qui ralentissent mon ascension, qui brouillent mon esprit, qui m'empêchent
de découvrir cette nouvelle réalité, de l'apercevoir, de l'entreapercevoir, de la ressentir. Que la puissance de la flamme violette vienne transmuter tous les voiles de l'illusion, tous les filtres que je suis prête à lever aujourd'hui. Que la puissance de la flamme violette me permette de voir clairement dans cette réalité, dans différentes dimensions, celle accessible pour moi pour l'instant. Que la puissance de la flamme violette me permette de prendre conscience de ma multidimensionnalité, de la puissance de mon être, un être qui tend à fusionner, réintégrer sa pureté originelle. Peut-être vous allez ressentir certaines sensations, physique ou non physique, peut-être allez-vous percevoir cette couleur violette, diamantine, cristalline, se diffuser partout en vous. Peut-être va-t-elle se diriger dans un endroit bien précis de votre corps. Peut-être sera-t-elle plus diffuse. Peut-être vous allez percevoir chaque cellule, chaque ion, chaque atome de votre corps s'activer de cette lumière violette, pour installer, activer un processus de guérison, quel qu'il soit, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel. Et vous pouvez dire à votre « je permets et j'autorise toute intervention en vue de m'aider à activer ce processus de guérison en moi. Je permets et j'autorise toute intervention en vue de m'aider à ascensionner et à réintégrer mon essence pure ou originelle. Accueillez, ressentez ce qui se passe en vous. Peut-être allez-vous ressentir la présence même de Maître Saint-Germain et sa flamme jumelle. Car ces rayons sacrés sont aussi à deux polarités, réunifiés, matérialisés par un archange, Archange Zadkiel. Ressentez leur propre rayonnement qui vient activer votre rayonnement et autorisez-vous à diffuser cette énergie de couleur violette partout en vous. Cette énergie, cette puissance, cette flamme violette qui est en vous depuis toujours, mais dont vous avez oublié l'existence. Reliez-vous à son énergie, sa puissance, votre énergie, votre puissance, qui émane du grand tout dont vous faites partie, dont nous faisons tous partie. Peut-être un air musical va vous venir à l'esprit. Restez ainsi en pleine conscience quelques instants, le temps qu'il vous convient, cela peut durer quelques minutes,
comme cela peut durer une demi-heure, une heure, offrez-vous ce temps, ce cadeau, ce temps de reliance à cette flamme sacrée est un cadeau que vous vous faites, et plus vous y consacrerez du temps, et plus vous vous permettrez de la réintégrer en vous, et plus vous lui permettrez d'agir en vous. Na shandaryo, konata shandaryo, moi kendeo. Nai shindeo, mai kandai. Il est essentiel aujourd'hui que chacun réintègre ses rayons sacrés, sa divinité, et permette ainsi à sa réelle présence « Je suis » de s'exprimer à travers vous, afin de vous guider vers l'ascension, un état d'être dans l'amour, la joie, la paix et la sérénité. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie encore infiniment pour tous vos retours, vos partages, votre soutien. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous transmettre également cet enseignement des rayons sacrés. Je vraiment, voilà, on m'invite vraiment, on me pousse à proposer plus de dates. Bon, je crois que je vais poser toutes mes dates. Voilà, aujourd'hui c'était simplement un cadeau. Voilà, j'avais envie de vous faire ce cadeau. Alors, prenez soin de ce cadeau. Vous pouvez réécouter cette vidéo autant de fois que vous en ressentez le besoin, ressentir la réactivation de ce feu sacré, de transmutation divine en vous. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche Fanny Coupé Bien-être. Et à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Et oui, on me dit qu'il faut faire de la com, là. J'ai pas l'habitude. J'essaie de le mettre enfin. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, matinée. Et je vous dis à bientôt.